Allez, salut les amis, on se retrouve pour une petite ouverture de boîte. Donc, avec un petit café. Donc, vous avez le temps, vous pouvez aller vous en faire un. Voilà, suspense. Qu'est-ce que c'est? Voilà, alors, c'est jamais vu sur ma chaîne pour l'instant en montage, les amis. C'est une première sur ma chaîne. Donc, j'en ai déjà fait, bien entendu. Quand j'étais plus jeune, on va dire beaucoup plus jeune, j'en ai fait énormément, mais avec du matériel que j'avais à l'époque, quoi, évidemment. C'est-à-dire beaucoup de pinceaux, j'avais pas d'aérographe chez mes parents, et voilà, c'est du café partout. Donc, petite ouverture de boîte, les amis, alors je vais l'ouvrir, normalement, elle est déjà ouverte. J'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Celle que je vais aller chercher cette semaine, comme je vous ai dit, la moto, je ne vais pas l'ouvrir. On va vraiment l'ouvrir ensemble. Voilà. Donc, j'arrête. Allez, je vous montre. Voilà, les amis. Un char. Vous allez vous dire, oula, Vincent, il change. Alors, tout simplement, c'est le char Fury, les amis, que je vous avais parlé déjà dans une vidéo, que j'aimerais bien faire le char Fury avec la scène. Mettre sur un diorama avec la scène de dans la fin du film où ils ont combattu la division de SS qui arrivait sur eux et que voilà, donc avec les corps au sol, la chenille cassée, qu'on voit que la partie en bas par terre, celle qui reste là, la boue dessus, la poussière, les impacts de balles. Donc j'ai re-regardé en plus hier le film Fury. Va falloir même que je mette sur pause, que je prenne des photos pour avoir exactement tous les emplacements des impacts de balles qu'il va y avoir dessus. Le soldat allemand qui couche ici et puis qui met le feu dessus. Donc il va y avoir la fumée à faire. Donc voilà, il y a beaucoup de préparation du terrain et tout ça sur le diorama. Mais avant, il y aura le montage de la maquette. Donc voilà, avec les morceaux de bois. Alors là, les morceaux de bois, les amis, on ne va pas prendre ceux qui sont en plastique. On va aller en forêt. Je vais aller en forêt et je vais aller chercher des morceaux de bois. Hein. On mettra des vrais. Voilà. voilà, bon, allez, joue. Voilà, donc on peut apporter énormément de détails dessus. Dedans, j'ai rangé les décalques quand j'ai ouvert. Voilà, donc on a du fil. Donc c'est sûrement le fil pour faire... des cordages sûrement sur le char, et on a la petite planche de décal que je vous montre tout de suite. Donc tout est en blanc, hein. Donc vous n'allez rien voir du tout. Voilà, ce sont les petites étoiles américaines. Donc voilà, je mets ça sur le côté. On va faire un petit tour de la notice tout de suite, comme ça ça évitera de la faire après. Donc c'est du Italieri, échelle 1,35. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et, chez mon fournisseur, je lui ai demandé qu'il me le commande. Je prends une petite goutte de café en même temps parce que après vous allez me dire qu'il est froid. Donc là, les grappes en gris, logiquement c'est ce que l'on ne se sert pas, pièce à ne pas utiliser. Voilà, c'est marqué là, pièce à ne pas utiliser. La référence couleur, hein, donc voilà. Donc bien sûr, il va falloir que j'aille acheter les couleurs parce que couleur. Voilà, de l'armée, j'ai quasiment pas, hein, j'ai quasiment pas de couleurs comme ça. Donc il va falloir faire les rayures, les rayures sur le tank, les trous d'impact de balles, quand il, justement, même dans la scène du film, quand il combat le char tigre, et puis qu'il reçoit un obus. Sur le haut de la cabine, puis que ça fait des grosses éraflures, ben celle-ci, on va falloir la reproduire. Donc voilà. Donc là, ben, on va remettre les espèces de roues. Alors, je crois que ça s'appelle des barbotins. Alors, je ne sais pas le terme. Hein. Genre, je préfère pas dire de conneries, on va dire les roues. Hein, ce qui entraîne. Ce qui permet à la chaîne de rester droite, parce que ça passe entre les deux, hein, évidemment. Diverses pièces à mettre dessus. Donc là, ça doit être tout le système suspension. Hein, donc soit à air ou hydraulique, mais je pense plutôt que ça devait être à air pour l'époque.
Voilà, ce qui entraîne les chenilles à l'avant, hein, l'espèce de pignon de chêne, tout simplement. Voilà, donc il y aura beaucoup de montage non peint, hein, parce que les peintures viennent juste après. Donc voilà, alors là encore, diverses pièces, hein, l'arrière du tank à venir installer, le passage qui pouvait rentrer dedans, sûrement, j'en sais rien. La cabine, donc on a des pièces à venir couper dessus. D'accord. Donc il va falloir que j'aille acheter un petit matériel pour pouvoir couper ça. L'installation ici de la mitrailleuse. Le nom de l'acteur qui se trouve ici à cet endroit-là, à la mitrailleuse, c'est Machine. Une machine. Je le sais parce que je l'ai regardé il y a pas longtemps. Donc voilà, donc là l'avant à venir installer, les chaînes, les chenilles, pardon, les chenilles vont être installées évidemment en dernier, hein, parce qu'on aura tout le travail à faire dessus. Donc pas mal de petites étapes. Donc toutes les trappes, donc évidemment les trappes, nous on va les fermer, parce que dans la sellette que je fais, les trappes sont fermées. Donc voilà. Après, il y a différents outils qu'il peut y avoir dessus. Hein, ça doit être des baramines. Là, on croit un gros marteau. Voilà, donc une pelle, la pioche, une espèce de hache. Donc voilà, il y a plein de petits matériels à installer sur ce magnifique tank. Donc voilà, ensuite préparation de la tourelle avec le canon, la bouche du canon. Ce qui permet que lorsqu'il tire, d'envoyer la fumée sur les côtés et une partie aussi devant. Donc voilà. Différentes pièces, hein, des petites tringleries à venir mettre, tout ça. Donc on va bien s'amuser avec. Ce que je recherche surtout, c'est voilà, l'aspect final. Le détaillage qu'on va amener dessus. Voilà. L'herbe à installer sur le diorama, les arbres, s'il y a une barrière, installer une barrière, faut que je re-regarde encore les scènes du film. La maison qu'il va falloir que je crée, évidemment, elle a été bombardée, enfin, elle a été explosée par un tir de ce tank. Donc, il va falloir que je regarde bien tous les détails. Donc, différentes caisses, des sacs, des bidons, des jerrycans. Donc voilà, il y a plein de détails qui est apporté sur ce tank. Donc voilà, la ficelle à quoi qu'elle sert à attacher les fameux bois qu'on a de chaque côté du tank. Donc on changera peut-être la ficelle parce qu'elle me paraît vraiment trop trop fine pour pouvoir les attacher. Donc on prendra une ficelle un peu plus épaisse. Donc voilà, ensuite les antennes à venir installer, la mitrailleuse, différents casques, ça a l'air d'être des casques qu'il y a sur les côtés. Voilà, donc impeccable, impeccable, impeccable. Et là, donc on vient installer la tourelle, et là après, on commence à venir peindre des pièces dessus. Donc je pense que toutes les mitrailleuses, les antennes, les sacs vont être peints à part, hein. C'est vraiment la carrosserie qu'on vient peindre tout ensemble. Donc voilà. Et donc normalement, c'est celui-ci qu'on fait. Comme c'est le Fury. Il y a marqué Fury dessus là. Donc c'est celui-ci qu'on va venir reproduire. Et voilà. Donc il y a différents chars évidemment. Donc mais nous, on reproduit le Fury. Donc voilà les amis, donc vous voyez, hein, les rafles n'ont même pas été ouvertes. J'ai juste ouvert la boîte, j'ai juste regardé comme ça. Donc je mets ça sur le côté là. On va regarder, tiens, les chaînes. Les chenilles tout de suite. Alors, on a une paire de chenilles comme ça. Donc celles-ci, on ne les utilise pas, les amis. Parce que ce n'est pas celles qui sont dans le film. Tout simplement. Celles qui sont dans le film, c'est celles-ci. Voilà. Voilà, c'est des chenilles comme ça qui sont dans le film. Donc c'est celle-ci qu'on va venir utiliser, bien entendu.
Donc là, il y a un gros travail à faire de préparation dessus aussi. De la peinture, de la salissure et tout ça à faire dessus. Donc voilà pour les chenilles. Je vous fais voir de plus près. Voilà. Vous voyez les galets de roulement et qui sont ici. Magnifique. Pareil à ceux-là. Ils sont pas du tout pareils. Donc c'est parti. C'est parti, c'est parti. Il me faut juste un exacto, scalpel, tout ce que vous voulez bien. Tout le monde les appelle comme on veut. Lame de tuteur. Donc il va pas être fait tout de suite non plus. Mais voilà, je voulais vous faire une petite ouverture de boîte. Il y a longtemps qu'on a eu une ouverture de boîte sur la chaîne. Donc c'est parti. On va pousser ça. Voilà. Donc là, une partie de la cabine. Alors par contre, ça c'est moyen moyen. Je sais pas si c'est vraiment gravé comme ça dessus. Mais si c'est ça, il va falloir venir l'enlever. Alors j'ai vu que dans le film, sur certaines trappes, il y avait des graduations. Ici, ça je l'ai bien vu, mais là, pourquoi qu'ils ont été nous mettre ça ici? Et je ne pense pas qu'il y soit les graduations, il soit dans la réalité. Donc ça, va falloir venir poncer ça. Voilà, donc différentes pièces, hein, je connais donc pas tout. Bon, l'armement ici, mitrailleuse, ça c'est sûrement pour la tourelle ici. Pour le canon, on a une espèce de roue de barbotin, hein, je crois que ça doit être ça. On a une trappe ici. Alors sur les trappes ici, on a un petit jour, c'est pour la vision périscope. Voilà, différentes pièces, bien entendu, que je ne connais pas. Le bout du canon. Alors là, il est bien rond et on a juste la bouche, c'est une partie à venir recoller ici. Magnifique. Le détail, les rivets sont super bien faits. C'est très propre. Et donc là, oui, c'est italien, hein, les amis, je vous ai dit. Donc là, on a la caisse principale. Donc c'est une échelle au 1,35. Hein, donc voilà. On a du flash. On a du flash, beaucoup de flash même, je trouve. Bon, pas sur montagne. On a une ligne de moulage ici. Sur tout le long. Ici et ici. Il va falloir venir enlever, gratouiller. Là, le flash est quand même assez important, hein, ici. Voilà, si vous voyez ici. Voilà, si je retourne, vous allez peut-être mieux le voir. Voilà, ici. Ici. Là, au coin. Quand même un petit peu de flash. Bon, en char, c'est la première fois que je vais faire Italieri. Je regarde, mais je crois qu'il va falloir qu'on vienne écarter un tout petit peu. Il est un peu serré vers l'intérieur. Donc, très content. Très, très content. Mon fournisseur m'a appelé hier. Envoyé un message, m'a dit ta commande est arrivée. Je me rappelais plus du tout. Et donc j'étais très content. Donc là on a une espèce de câble métallique. Hein, c'est un câble de remorquage et tout ça. Donc ça on verra. Peut-être qu'on le changera. On récupérera les deux extrémités et on viendra y coller un câble, tout simplement, un tout petit câble tout fin métallique. Je crois que j'en ai en plus. J'en ai ici, mais je sais plus où. Donc voilà le haut de la caisse. Donc très très bien détaillé. Les grilles là sont bien perforées. Il n'y a pas de flash entre les deux. Vous voyez, on voit très très bien. Voilà, à l'intérieur, pas à travers. On voit très nettement aussi. Ils ont représenté toutes les soudures des tôles. Ça, c'est superbe, c'est propre. Donc je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Hein, donc vous me direz dans les commentaires. Que vous en pensez de ce montage là. Donc voilà, non, très propre, très content. Donc l'arrière, pareil, différentes pièces, hein, je connais pas les pièces, donc ça c'est les jerrycans, les sacs, mitrailleuses, pas une mitrailleuse, c'est une Thompson, je crois. Non, pas une Thompson, Thompson c'est le sabot, le gros rond. Oh, je sais plus. Le calage du canon, en fait, c'est quand il est chargé sur un porte-char, on redresse, c'est la partie qui se trouve là à l'avant, là, ici, par là ou par là, je ne sais plus. On redresse cette partie-là. J'ai déjà vu des vidéos et puis des personnes qui demandaient à quoi servait ça.
Et ça, en fait, c'est pour tenir le canon quand il est sur un convoi et puis qu'il est emmené. C'est pour pas déformer le canon. Une belle grille à l'intérieur. Alors là, c'est bien creusé, tout ça. Ça, c'est vraiment très propre, ça. C'est superbe. Donc voilà, on a des chargeurs ici et ici. Donc, impeccable. Plein de petites pièces. C'est magnifique, c'est propre. C'est nickel. Donc, voilà, comme je ne connais pas les pièces, hein, les amis, ça va pas. Et les deux dernières grappes. Deux ou trois. Non, deux. Alors, va y avoir des personnages aussi dedans. Hein. Il va falloir que j'aille acheter. Donc, mon fournisseur m'a dit qu'il n'y avait pas de problème pour ça. Il y avait plein de stocks. Voilà, donc ça, ce sont les pièces de bois qu'on doit avoir. Et bon, sincèrement, je les trouve pas terribles. Donc, il y aura eu un énorme travail à faire dessus. Mais si on les trouve en forêt, et ben, on sera tranquille. Alors là, on a un gros carré vide. Ça fait bizarre. Une antenne. Jerrycan encore. Donc, impeccable. Masque à gaz ici. Les casques. On a plein de casques à mettre autour, les caisses en bois. Ok. Donc il va falloir que je regarde comment faire les caisses, les sacs. Différents sacs. On a une espèce de bidon là. Ok. Des petits sacs à dos. Donc les roues. Je vais dire les roues. Comme ça, on va pas être de transmission pour la chaîne. Enfin, le pignon de chaîne. Encore des roues là. Les supports pour tenir les roues. Je pense que ça doit être ça. Les suspensions. Ça doit être ça. Encore une antenne là. Plein de petites pièces. Et sincèrement, c'est propre. Mais à part la caisse où il y avait du flash. Où il y avait du flash. Là, il n'y a pas l'air d'avoir de flash. C'est très propre. Non, c'est propre, c'est bien détaillé et tout. C'est magnifique. Donc ça va vous changer un petit peu par rapport à ma chaîne, parce que d'autres chaînes en font. Puis ça, c'est la même. C'est la même. C'est un doublon. Oui, c'est un doublon, parce qu'il y a encore tous les casques là. Masque à gaz. Donc voilà. On a fait vite le tour, hein, les amis. Voilà pour le char Fury. J'adore, j'aime bien. Donc voilà les amis, on a fait vite le tour, c'est fini. Donc je vais tout remettre dedans. Je vais peut-être pas remettre ça dans les plastiques parce que ça va partir en lavage. Mais voilà, on va remettre ça. Une fois que c'est lavé, ça repartira dans les plastiques. Donc un montage qui va arriver sur la chaîne. Donc j'en ai plein, hein. J'ai plein d'autres montages à faire, mais voilà, ça arrivera sur la chaîne. Il n'y en aura pas beaucoup de montage comme ça. Ou alors, peut-être après, refaire un char tigre. J'aime bien ce char-là aussi. Et en jouer beaucoup à World of Tanks. J'aime bien ces chars tigres. Le char tigre et puis ce char-là. Alors ça, normalement, c'est un nom quand même, ce char. C'est le M4A. 3E8 Sherman Fury entre guillemets. Donc voilà. Donc voilà les amis. Donc très content. Très très content. Donc le tour de la boîte, hein, je vous le fais maintenant. Donc là on a les deux versions de char. La dimension, donc voilà, il fera 16,8 cm. Et j'ai la 35. Et là, bah, c'est quasiment ce qu'on a sur le dessus de la boîte. Voilà, donc là, pour les plus de 14 ans. Et par là aussi. Donc voilà les amis, derrière, il n'y a rien, on l'a vu. Donc voilà les amis, si cette ouverture de boîte vous a plu, vous me laissez plein de commentaires, bien entendu. Des pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner non plus.
On va bien s'amuser là-dessus. On va super bien s'amuser. À encrasser tout ça, plein de boue, casser un barbotin là ou une roue. Parce que dans le film, il y en a une de cassée, il y a même une suspension de morte. On entend bien le gars le dire. Donc des effets de rouille, hein, et là on voit bien qu'il y a des effets de rouille. Donc ça va être magnifique à faire. Les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et là, je lance la deuxième ouverture de boîte. À tout de suite, les amis. Et puis bah, là, pour vous, là, c'est fini. Donc, amusez-vous bien. Passez un excellent dimanche.